Le CIB est à sa 18e édition et ce qu'il faut savoir, c'est que si le CIB a brillé jusqu'à maintenant, c'est grâce aux institutionnels, qu'ils soient privés ou publics, qui le portent, qui portent ce CIB et qui travaillent d'arrache-pied pour réussir édition après édition un CIB avec une programmation meilleure, que ce soit au niveau des entreprises qu'au niveau du panel scientifique. Maintenant, notre rôle, nous, en tant qu'ordre des architectes dans le CIB, c'est un rôle très très important parce que nous sommes les acteurs principaux dans l'acte de bâtir. Et donc, à partir du moment que nous sommes les prescripteurs, notre place au CIB est incontournable. Elle est essentielle et c'est au fait, c'est l'occasion pour nous d'échanger avec tous les partenaires de ce secteur, avec tous les exposants, de voir un petit peu, de découvrir quelles sont les nouveautés au niveau du CIB, quelles sont les procédures à mettre en place pour améliorer un certain nombre de choses dans le cadre bâti. Il faut savoir que nous avons un défi très important à relever pendant cette 18e édition, à savoir celui d'assurer un cadre de vie meilleur. Un cadre de vie meilleur aussi bien à l'intérieur des appartements que nous offrons à nos citoyens qu'à l'extérieur. Parce qu'il faut dire qu'aussi que ce cadre de vie est très important à se faire ressentir dans nos villes. Et donc, l'objectif de cette 18e édition, c'est de s'atteler, c'est de mettre en place tous les mécanismes, tous les efforts nécessaires pour justement assurer ce cadre de vie meilleur. Donc, pour terminer, je tiens à préciser que le stand de l'Ordre des architectes, pendant cette 18e édition, se trouve au niveau central. Il est vraiment au milieu de l'allée. Il est le carrefour incontournable de tous les exposants et c'est fait justement pour assurer toutes les synergies possibles entre les architectes et toutes les entreprises présentes dans le salon.